Bon, du coup, on est à la Gaming House MDS du côté de Nice. Je suis avec Vincent Atricervoni, capitaine de Bonjour. cette équipe, et on va revenir un peu dans cette plus ou moins longue interview sur sa carrière. Alors, les gens, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne connaissent pas forcément ton parcours sur Source, vu que tu t'es vraiment révélé sur CSGO avec un niveau assez impressionnant, quoi. Et notamment du fait que tu aies aussi changé de pseudo, quoi, ça a pas aidé, je pense. Donc on va revenir un peu sur les débuts sur CS Source. Donc déjà, question bateau, comment t'as connu le jeu? Est-ce que t'as connu le jeu via Source ou 1.6? Et d'où est venu ton premier pseudo du coup qui était Mstad? Comme beaucoup de gens, je pense, j'ai acheté Half-Life 2 parce que c'était le jeu référence à l'époque, quoi. C'était tout beau, tout propre, c'était un peu le jeu légendaire qui sortait enfin. Manque de peau, fallait internet pour y jouer. Et pour activer la clé CD, je me souviens, il fallait internet, quoi. Donc, je sais pas, 3 mois après, j'ai enfin internet, j'ai lancé mon jeu, etc. Je le finis et là il y a un pote qui lui aussi jouait à Half-Life, me dit viens télécharge CSS, c'est bien, on peut jouer ensemble. Moi j'avais absolument aucune expérience du jeu en ligne quoi, genre les jeux multijoueurs ça m'intéressait absolument pas. Et bah voilà, et puis c'est lui qui m'y a mis et qui m'a lancé dans CSS. Dès la sortie du jeu ou... Non, on va dire dans les 6 mois, non. Dans les 6 mois, non, j'ai commencé un peu à jouer un peu plus souvent que le jeu en lui-même. Et après, on va dire, j'ai eu ma première équipe entre guillemets, ou j'ai eu mon premier prac, et je me suis rendu compte que bah, c'était 100 fois plus intéressant et même plus fun qu'aller en FFA pour s'amuser, quoi. Alors ce qui est intéressant aussi dans ta carrière, c'est qu'en fait tu t'es révélé avec Existence, c'est quelqu'un qui a été avec lequel tu as joué longtemps à tes débuts. Comment s'est passée la première rencontre avec lui? Et du coup c'était chez Hardcore Style, donc une équipe de Belges notamment. Comment s'est passée la première rencontre avec Existence? Moi ça fait beaucoup rire d'y penser, mais à l'époque on trouvait des pick-up ou des mix, on allait sur IRC. Et à un moment je vais sur un channel, je sais plus lequel c'était. Là je vois Existence, un inconnu pour moi, hein, qui fait cherche un dernier joueur pour une équipe, je sais pas quoi. Salut, ça va, machin, et c'est à partir de là où on a joué ensemble. Et du coup, Rencontre IRC. ouais, c'était. Tu dates ça vers quand? Vers mi-2000, fin 2006, début 2007? Je pense que Même ça avant. devait être début 2007. Début 2007, ouais. Parce qu'après, vous faites une première LAN à LAN 79, donc 2007. Donc vous passez les poules quand même, bon, vous n'êtes pas très loin dans l'arbre. Est-ce que c'était ta première LAN ou juste la première LAN à Exi, je crois? C'était notre première LAN, et puis enfin, pour remettre dans le contexte, Exi s'était fait bannir en ESL, je crois. Je sais plus, sur une démo ou quoi. Donc Oui, t'as attendu. il y avait quand même un gros coup, parce qu'à l'époque on s'entraînait beaucoup et je me souviens on jouait contre les mix, je sais pas si c'était déjà pick-up PGM à l'époque, mais il y avait KRL, etc. Enfin des gens qui étaient déjà là depuis plus longtemps que nous. Et il y avait, je crois, pas tous les soirs, mais quasiment des espèces de cups où bon, alors, il y avait zéro cash prize, mais il y avait la légitimité d'être dans le top, entre guillemets. Et à l'époque, je me souviens que c'était quand même l'objectif final, c'était de rentrer dans le cercle de top et se faire repérer en tant qu'équipe et en tant que joueur. Et là arrive le ban, parce qu'on était dans une compète, à l'époque c'était des 55 ESLU, des trucs. Enfin bon. Et là, il y a eu une question, je me souviens, il y avait Virgo Manager et il nous a dit bon, maintenant il va falloir aller en LAN et prouver. Et on s'est tous posé la question, bah, vu qu'Exi, enfin, Exi a quand même reçu son ban, donc il y avait quand même une suspicion, mais moi j'ai jamais eu de doute par rapport à lui. Et voilà, on a fait la LAN 79 et on avait un niveau qui était pas très bon, mais on n'était pas des onliners et on avait prouvé à partir de là que, pas forcément à partir de là, mais on pouvait se débrouiller. Ouais. Enfin, je pense que. Enfin, donc après, vous participez, donc voilà, comme dit, on vous fait un top, je ne sais combien, à la 119. On perd à Bon. 1. Avec Serve, on perd à 1 Ouais, voilà. en lower. Et du coup, ouais, bon, vous. Et surtout, quelques mois après la Digital Jazz, en fait, vous révélez.
terminez quatrième, vous battez des teams, des bonnes teams. Hein. À l'époque, il y avait les Belges de Hund, de Unji, et surtout les Sensoria aussi. Donc vous finissez quatrième, donc derrière, il y avait Web One, Fnatic et Creative de mémoire. Du coup, ça va vous révéler. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis justement de vous faire accepter un peu dans le cercle de top? Parce que après, l'histoire veut que tu vas faire un mix avec KRL et tout sur une nuit KDX à Paris. Et donc d'ailleurs, ça va être la première LAN que tu dois remporter, je pense. Est-ce que c'est à la suite justement de la Digital Alsace où tu rencontres des gens comme KRL, des gens qui étaient plus reconnus à l'époque? Ouais, la Digital Alsace, c'est vraiment la confirmation en mode. On rentre dans des channels pour Prac, on parle à des gens qui sont dans le top. Après, moi, KRL, je le connaissais quand même depuis un long moment. Ouais. C'était une période où je passais mes nuits sur Mumble ou Ventrilo à l'époque pour faire des pick-up, etc. Donc, on se connaissait déjà, même si on n'était pas en équipe, si on n'avait jamais vraiment joué ensemble. Et ouais, la Digital Alsace, c'est un peu le tournant parce qu'on bat Sensoria. Et dedans, il y avait Sharigan, Shock et Freuge. Ouais. Mais on va dire, à part Freuge, il y avait des bons joueurs. Et à partir de là, je sais plus, il y a quelqu'un dans notre équipe qui décide d'arrêter ou il y a une embrouille, je sais plus exactement. Et Exy et moi, on reste ensemble on ramène Shock, Sharigan et Ghosty, non ? Et Ghosty. Et c'est là où on a vraiment, on va dire, une équipe qui peut vraiment rentrer dans le top et casser le top 4 et rentrer sur le podium. La KDX, c'était pas très pertinent, entre guillemets, parce que c'était vraiment une bonne mix. C'était pour dire que tu avais connu, peut-être que tu avais connu KRL et tout. Mais du coup, comme tu l'as dit, donc, c'est vrai que vous êtes resté, il y a cette période un peu où vous êtes resté à deux seulement avec Exit, tous les autres sont partis. Est-ce que c'est vraiment, il y a une volonté de rester ensemble ou c'était vraiment par défaut et les trois autres sont partis et vous êtes resté en mode, ok, on reste à deux? Non, il y avait vraiment peut-être un début vraiment d'amitié ou je sais pas. D'amitié, je sais pas exactement. C'est vrai qu'à l'époque, on était quand même assez proches et. Enfin non, c'était certainement pas par défaut. Je savais que Exy c'était le choix gagnant, quoi. Parce qu'à l'époque, t'avais entre guillemets trois leaders, t'avais ASP, t'avais KRL et t'avais Exy. Et sachant que moi j'avais commencé avec Exy, j'avais vu les prémices de. Parce qu'à l'époque il avait quand même un très bon niveau. Ça allait être qu'il fallait parier sur lui et c'était à 100%. Je me souviens à l'époque. KRL m'avait proposé une équipe, ça remonte à très longtemps, mais Z-back, ça devait être Z-back, je pense. Et nous, on était, je pense, déjà Epsilon à l'époque, et j'ai fait non, Exy, c'est 100%, c'est le choix. Alors qu'il avait pourtant une très mauvaise réputation au sein du top, parce que justement, lui ne se mêlait pas avec les gens, et il restait dans son coin, il jouait avec ses noobs, entre guillemets, ses potes noobs. Et non, Exy c'était. Enfin, on était très proches niveau in-game, on s'entendait plutôt bien. On avait à peu près les mêmes idées. Juste pour rebondir aussi, donc tu disais KRL, donc tu étais aussi assez proche de KRL, vu qu'apparemment il t'a proposé un projet à l'époque. C'est vrai que tu as fait beaucoup de mix avec lui, notamment avec Z-Back. Quoi, tu as fait une pixel de mémoire, je crois. Une réseau, et des tournois sur internet. Est-ce qu'à l'époque tu ressentais déjà peut-être une rivalité entre Exy? Parce que c'est vrai qu'au final, quand on connaît un peu l'histoire de source, Exy et KRL c'était vraiment les deux rivaux. Et c'est vrai qu'en fait toi tu joues en équipe avec Exy mais tu faisais des mix avec KRL, donc c'est vrai que c'était assez marrant, c'était intéressant à noter. Est-ce que tu ressentais déjà une rivalité entre les deux ou c'était vraiment chacun dans leur monde? Bah, je pense que les gens sont pas. En tout cas ceux qui ont vécu l'époque sont pas dupes, il y avait une haine viscérale entre les deux. Même à l'époque, ils se détestaient. Et c'était marrant parce que c'était vraiment un clash de style de jeu, de manière d'aborder le jeu et aussi de comportement hors game. C'était vraiment deux opposés totales. Et oui, c'était très clairement, on pouvait commencer à sentir la rivalité qui allait se poursuivre pendant, je sais pas, un an ou deux ans derrière. Et alors, tu parles justement de style de jeu. Exy, est-ce que c'était quelqu'un de déjà très strict, parce qu'on l'a connu très strict ensuite avec Zerigam. Est-ce que c'était déjà quelqu'un de très strict qui essayait de guider au maximum ses coéquipiers dans le jeu? Oui, c'était le leader le plus strict, tout était contrôlé de A à Z et le jeu tournait pas mal autour de lui à l'époque.
sachant qu'il était le sniper et le leader. Donc il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de lui. Et oui, tu avais un plan de A à Z sur ton jeu. Et pour moi, ça faisait sa force parce qu'à l'époque, il y avait Keal ne faisait pas ça. Et ASP, définitivement pas. Donc lui, il avait cette manière de prendre les jeunes joueurs, entre guillemets, et de les façonner pour leur faire comprendre que, ok, à ce timing-là, il faut mettre une flash et rusher à gauche, à droite, etc. Il avait cette manière d'aborder le jeu qui te l'expliquait comme une leçon, comme un professeur. Et ça a fait sa force. Et même si au début c'était décrié, et même après aussi décrié, ouais. Pour moi c'était quand même. Enfin, il a accompli quand même sur ça quelque chose que personne d'autre n'a accompli. Donc on est un peu dans le premier semestre 2008, vous rejoignez Global Team, vous faites un bon top 2 à la Shockland, vous battez notamment Creative. Vous étiez déjà Epsilon, Je crois que vous étiez... Ou peut-être, ouais. Ouais, oui, si, peut-être, ouais. Donc Global Team rejoint Epsilon, donc une structure qui vous permet un peu d'avoir plus de moyens, qui vous permet surtout de participer du coup à la Tex. Mais avant ça, c'est vrai que vous ne participez pas à la LAN 79, qui était aussi le deuxième rendez-vous, un peu le premier grand rendez-vous de l'année. Izzy, à l'époque, mettait en cause des examens, alors je ne sais pas qui ça concernait dans l'équipe. Mais en tout cas, entre la LAN 79 et la Tex, il y a un gros changement qui va arriver, c'est les arrivées de CRZ et RPK, du coup. Et à l'époque, il y a une rumeur qui voulait que tu fasses partie des gens sortant de l'équipe. Alors est-ce que c'est avéré avec du recul? C'est parti de notamment sur ta fiche ESL, tu as été kické de la fiche, puis après bon, en commentaire sur la carte évidemment ça a parlé. Est-ce que maintenant, je sais pas quoi, 7 ans après c'est avéré ou... Ah, pour moi c'était en effet annoncé. À une époque je n'étais plus chez Epsilon, ouais. Parce que je ne jouais pas, donc j'étais assez horrible sur ça. Je n'étais jamais là et je ne pratiquais pas. Et donc c'est là où ils récupèrent CRZ, RPK et il y avait quelqu'un d'autre aussi je crois de mémoire, mais j'arrive plus à me souvenir. Et là arrive l'été, période juste avant la Tex. Bon, ils font pas la même chose, je sais pas pourquoi. Je me souviens, j'étais pas chez moi et là je reçois un appel à minuit de Vire. Ah ouais. Et qui me dit, oui Vincent, est-ce que tu veux faire la plus grosse LAN de l'année européenne? Ah ouais. Pourquoi pas. J'étais très très content. Et voilà, en gros, je sais pas, ça, c'était un battement de deux semaines où j'avais plus d'équipe et je comptais arrêter. Et voilà quoi, ça a été une autre opportunité. Et ensuite, vient la Tex quoi. Et du coup, la Tex, vous marchez sur le monde. La surprise un peu générale, hein, y avait tout le gratin européen pour l'époque, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'était vraiment la LAN référence où il y avait vraiment tout le monde. Vous êtes la seule équipe EFR engagée du coup avec le crash de Redline en voiture. Et du coup, ouais, vous survolez la compétition, la surprise générale, c'est certainement l'un des plus bels exploits d'une équipe française sur CSO en tout cas. Il y a un truc marquant quand même, c'est évidemment en finale contre Magnitude, cette brochette d'Exi. Comment vous l'avez vécu en overtime, hein, donc c'était sur la map décisive en overtime. Comment vous l'avez vécu, je sais pas si t'as une anecdote là-dessus. Est-ce que vous avez tous crié ou comment c'est passé à ce moment-là? Non, on a tous été très calmes. Parce que je pense que, sans le dire, on a compris qu'on avait gagné. C'était à 3 secondes après le freestyle, on s'est dit, ok, c'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre et ça passe. Mais ouais, c'est vrai que sur ça, j'avais un peu oublié, mais c'était quand même une bonne fierté parce que. Juste avant, le dernier résultat français, une LAN, c'était la Digital Alsace et c'était Web One qui bat Fnatic. Mais on va dire que la compétition à l'époque, déjà Fnatic était en train de descendre et il n'y avait que Fnatic de vraiment impressionnant. Quoi. La Tech, c'était vraiment absolument tout le monde, à part peut-être une équipe anglaise qui n'était pas là. Et c'était vraiment le gros résultat. Il manquait peut-être des meilleures équipes françaises, autres que vous, mais bon, c'est... Peut-être Redline, ouais. Et voilà. Mais à part les deux équipes là, c'était vraiment le plus gros résultat sur CSS. Ouais. Et grosse fierté et ouais, un peu surprise parce que même nous, je pense, on ne s'attendait absolument pas à gagner. Les objectifs, de toute façon, c'est toujours passer les poules. Et après, je sais pas, le jeu était favorable, on avait nos tricks à nous, le coach bug, etc. Et je sais pas, c'était.
ça se passait bien et on était surpris de notre propre niveau. Et c'est là où on a compris qu'on pouvait avoir la confiance et voilà, s'installer définitivement dans le temps. Donc après ces textes, vous, Epsilon rejoint Crackland à l'époque. Ouais. Et toi, ben, t'es remercié de l'équipe. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Est-ce que c'est... Comment ça s'est passé? Pourquoi toi, alors que t'avais justement, ben, ça faisait quand même bientôt 2 ans que tu jouais avec Exy par exemple. Comment ça s'est passé là? Alors après la Tex, on a eu une grosse période de vacances, parce que c'était pendant l'été. Ouais. Donc on jouait pas du tout. Ensuite vient Crackland et bon, on était payé. C'était bien, hein, parce que je pense qu'on était une des premières équipes à être payé, mais alors, on était payé, etc. Et de mémoire, on fait une LAN en France, c'était la Max LAN 2008, je pense. Ouais. Et là, on n'avait pas prague du tout et on se crache en. Pas des sens, on perd contre Freud, on perd contre énorme honte, évidemment. et voilà, enfin même globalement la LAN, on n'est pas bon quand on perd une TW en quart, je crois, ou en pool. Et pareil, c'était exactement les mêmes problèmes. Moi j'étais pas là et je n'ai pas vraiment joué à l'époque. Parce que enfin, je sais pas, je trouvais pas ça très intéressant. Ça m'appelait pas, quoi. Ouais, malgré la victoire à l'Atlex, tu disais on peut passer un palier, même voilà, avec le fait de manque de, on va dire, l'été, manque de compétition, manque d'intérêt en général, moi ça, j'y ai rajouté ma pierre et je me souviens à l'époque, il décide de prendre Malek. Ouais, et ça se passe mal d'ailleurs. Ça se passe extrêmement mal, plus grand plaisir. Mais évidemment. Et ensuite, bah. Et toi, tu rejoins, ouais, bah du coup, tu montes, enfin, plus ou moins, tu rejoins Oxmoz à l'époque où vous faites Eliminate et vous finissez même chez Creative, où vous arrivez même à récupérer Shox à un moment. Et c'est surtout, en fait, la première fois où tu vas lead une équipe. Je sais qu'au début, vous êtes avec FX, un vétéran à l'époque, et tu reprends rapidement le lead derrière. C'est ça. Donc, première expérience de lead, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est on récupère ce que fait l'ancien coéquipier Existence ou on essaie de créer son propre style de jeu ou comment ça se passe? Je pense que dans les premières heures c'était, enfin, sachant qu'on avait les mêmes idées, je récupère entre guillemets les mêmes idées, mais assez rapidement, bon peut-être pas forcément avec Creative, même si je commence à mettre certaines choses en place. Mais oui, je commence à voir un truc spécifique in-game et j'essaye de, peut-être pas forcément de le faire comprendre aux joueurs, mais en tout cas de le tester et de voir comment ça fonctionne. Alors, en tout cas, bon, c'est vrai que t'avais une... on va dire que t'as downgrade un peu à ce moment-là avec cette équipe. Vous faites un fail à la GA notamment, vous faites quoi, top 4 je crois, top 4. Alors que vous êtes attendu sur le podium. Est-ce que d'ailleurs... Enfin, j'ai regardé un peu les interviews avant de faire cette entrevue là. C'est vrai que vous viviez assez mal à l'époque d'avoir fail un peu cette LAN. On perd contre Essential, ouais. Avec Beast2Fly dedans. Beast2Fly, ouais. Bon, eux c'était l'équipe montante avec TAC, Isoka, etc. Mais c'est vrai que normalement on était quand même censé, comme tu l'as dit, finir top 3 quoi. Après le départ de Crackland du coup Oxmoz. Et Eliminate et Creative, donc une période un peu où tu apprends à lead, on va dire, où tu commences à faire tes armes. Donc ça se passe pas terrible non plus. Et là, tu reçois une proposition de ton ancien leader Existence pour rejoindre Redline, du coup, juste après leur victoire à l'Atex. Tu retrouves Existence et Shock d'ailleurs. Comment ça s'est passé? Comment la proposition t'est venue? Comme d'habitude, je veux pas du tout. Et arrive un appel cette fois de Niak, un après-midi quand j'étais dans le métro. Et il me dit oui, Vincent, est-ce que tu veux faire la Tex 2009? Manque de peau, je dis non parce que voilà, j'avais des vacances de prévu et tout. Et donc il l'a fait avec Kekamat, il la gagne assez facilement d'ailleurs. Il a dû se passer quelque chose, mais après ça, il me recontacte pour me dire « Oui, on va pas le garder, est-ce que tu veux join Redline ?» Et je sais pas s'il y avait encore eu le scandale VG avec KRL, mais... Ok.
Alors, je, parce que j'avais ça en tête, mais voilà, je join Redline et voilà, j'ai une équipe pour la rentrée, entre guillemets. Ouais, donc du coup, comme tu l'as dit, scandale KRL, donc kick de la première équipe Verigame, et c'est vous qui rejoignez Verigame du coup. Au début, voilà, donc la grosse rivalité avec Nameless et puis Rocat. Deuxième place à la Max LAN, je crois que tu gagnes. Vous gagnez les EPS, une saison EPS, je crois. Mm-hmm. Et après, officiellement, tu pars de Verigame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant officieusement? Parce qu'on sait que dans les interviews, quelques mois après, tu disais qu'en fait, la séparation, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Est-ce que vraiment c'est une décision de ta part ou tu as été écarté ou tu es vraiment parti pour manque de temps officiellement à l'époque? Il y avait encore une fois un problème d'investissement et. C'est vrai que sur toute la carrière CS7, j'ai toujours eu du mal à vraiment m'intéresser pour jouer de manière comme on joue maintenant, quoi. Et aussi, c'est quelque chose qu'il ne savait pas, mais c'est vrai qu'au sein de l'équipe, au final, je m'entendais bien qu'avec Existence, mais aussi déjà à l'époque de Crackton et tout. Et ça a joué sur la décision finale qui fait que. Enfin, l'équipe pouvait pas marcher, il fallait un changement et le changement s'est fait. Et voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre à dire à part ça. Et est-ce qu'il n'y avait pas. Est-ce qu'en rejoignant VG après. En retrouvant Existence, est-ce que tu avais le même rôle que tu avais avec lui à l'époque Epsilon ou tu avais vraiment un autre rôle, plus de co-leader, du coup, vu que tu avais une meilleure expérience dans ce rôle? Bah, j'ai toujours eu un rôle. À l'époque, il acceptait pas vraiment de co-leader. C'était pas possible, quoi. Ouais. Mais on va dire, dans tout ce qui était préparation de l'in-game, avant les events ou même pendant les events, j'ai eu exactement le même rôle d'implication, peu importe les équipes. Mais... Est-ce que c'est un regret que tu as de ne pas être investi plus pour. Notamment à l'époque Verigame, quand on voit le succès que l'équipe a eu par la suite. Est-ce que c'est pas peut-être un de tes plus grands regrets dans ta carrière source ou... Non, pas vraiment, parce que derrière, c'est pas je reste chez moi à zoner, etc. J'ai quand même une certaine vie, etc. Ouais. Aujourd'hui, vu que voilà, on peut prendre du recul, etc., même si à l'époque je savais pas comment tout ça allait se dérouler. Non, c'est vrai que j'ai aucun regret de. Forcément, c'est jamais plaisant de se faire rire, etc. Mais. J'ai jamais eu la larme à l'œil ou des choses comme ça, quoi. C'était. Ça s'est fait. Je pense que j'ai pas eu forcément de chance à certains moments, surtout avec les personnes avec qui je jouais. Mais. Je regrette quasiment, je pense, aucun choix que j'ai fait, même certains refus que j'ai pu donner à certaines personnes. Mais bon, encore une fois, c'est parce que voilà, on est en 2015 et voilà, on en aime, mais non, pas de regret particulier. Donc après, en fait, c'est ça qui a surpris, c'est ça qu'officiellement tu partais de VG par manque de temps et tout, et genre quelques semaines après, tu crées une équipe pour Redline, quoi. Donc à l'époque, c'était avec, entre guillemets, les netteux de l'époque de chez DRU, donc on se rappelle, Uzi, Soulmate, il y a aussi Rodo, et voilà. Donc c'est vrai que c'était une grosse équipe sur internet qui n'est pas encore prouvée en LAN et c'est toi qui va reprendre le lead du coup et qui va les faire un peu connaître hein, parce que vous faites votre première perf à la LAN 79 à top 5-6 qui était un bon résultat pour l'époque et vous faites ensuite top 2 EPS. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque sachant qu'après ça s'est terminé, t'as quitté l'équipe. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque? Est-ce que c'était vraiment quelque chose. Tu vois, quand tu jouais avec Epsilon, c'était pareil, tu vois, vous jouez avec des mecs tu vois, peu connus et tout, là c'est toi qui as repris un peu le flambeau en disant ouais je vais faire. Est-ce que c'était vraiment un défi pour toi de révéler des gens peu connus ou tu les trouvais vraiment déjà. À la fin de VG, comme d'habitude, il y avait une période où j'arrêtais le jeu pour faire d'autres choses. Mais j'avais quand même cette envie de rejouer et de cette fois vraiment faire les choses bien avec plus d'expérience et plus d'idées. Et donc il y a Jérôme qui me contacte, on parlait toujours en fait, on s'est jamais vraiment quitté entre guillemets.
Et il me dit ouais Vincent, j'ai un plan pour toi. Il y a des jeunes joueurs qui sont en train de monter et ils ont besoin d'un lead. Sachant que les mecs n'avaient vraiment aucune expérience et ils avaient juste leur skill. Enfin, à l'époque c'était déjà pas mal, mais ils avaient rien du tout. Et donc je les rejoins et je crois qu'on va assez rapidement chez Redline. Directement. Donc on a la structure, on a les joueurs, une hiérarchie, c'était déjà quelque chose d'assez propre qu'on n'avait pas forcément chez Creative à l'ancienne. Et là vraiment l'époque Redline, c'est vraiment la mise en place d'un certain système de jeu qui fait que c'était un vrai test pour moi en tant que lead et c'est là où je pense que j'ai pris mes marques sur comment gérer une équipe et comment mettre en place un jeu, comment faire des strats, parce que c'est quand même quelque chose que peut-être les gens ne savent pas, mais c'est les strats, et surtout à l'époque c'était quelque chose que j'adorais. J'adorais en créer, j'adorais trouver des smokes, des bug smokes, etc., des flashs, même juste des exécutions de strats dans les timings, etc. Parce que c'est vrai que c'était quelque chose de pas forcément très utilisé avec Exy. Mm. Et même à l'époque, Exy commençait un petit peu à décliner, entre guillemets. En tout cas, moi, je le voyais comme ça. Et voilà, et Redline, ça a été la mise en place de ça et un test positif comparé à Creative. Mm. Sachant que oui, derrière, on fait un top 2 aux EPS. Même si la compétition n'était pas forcément extrêmement élevée, c'était un très très bon signe pour l'éventuel avenir. Du coup après ça s'arrête. C'est toi d'ailleurs qui quitte l'équipe, parce que après le cœur de l'équipe Redline rejoint Lord et d'ailleurs fait une saison EPS où ils battent tout le monde sur internet, encore une fois trop fort. sur ce départ de Redline, c'est vrai que c'était. Alors que l'équipe était plus ou moins prometteuse quand même. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on ne dit pas, c'est qu'aux EPS, on a kické Kilou et on a pris Scream. Scream, ouais. Donc, ses premiers débuts sur la scène, entre guillemets. Non, en y repensant. C'est un peu la même histoire que d'habitude, c'est que je me lasse du jeu et je m'en vais. Et je m'en vais tout simplement. C'est vrai que ça ne me plaisait pas, quoi. J'arrivais pas à me focus sur le long terme. Et je pense que j'arrête pendant 6 mois, la période où ils deviennent Lord avec, je crois que c'était Anchor qui les leadait à l'époque. Ouais, Anchor. Et bon, après ça a fail, parce que c'était programmé en général. Quand t'as pas vraiment quelqu'un qui tient ce genre d'équipe, c'est jamais beau. Et puis voilà, après je reviens, je sais plus où. Ouais, X-Cypher et bon, après surtout 3D Max. C'est vrai que tu fais des longues pauses, mais c'est vrai que là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent dans ta carrière, des pauses comme ça, alors que bon, tu étais dans les équipes plus prometteuses pour le coup. Comment ça se fait? Est-ce que c'est pas toi justement pendant tes périodes actives où justement tu disais que tu aimais bien cramer le jeu, à cramer tous les smokes, est-ce que c'est pas ça qui à chaque fois qui te cramait l'endurance ou une espèce de burn-out à chaque fois? Peut-être, sachant que c'est vrai qu'à l'époque sur CSS il y avait quand même énormément moins de LAN et puis même sans se mentir, de cash prize, de soutien par rapport au niveau de la structure, d'intérêt au niveau du jeu de manière générale, c'était quelque chose d'assez peu reconnu. Et je pense que tout le monde a déjà vécu ça dans le top, t'as quand même la rencontre avec les parents qui fait que à un moment ça bloque quoi. Et je pense qu'à chaque fois, il y a eu ce mélange, tout ça se mélangeait et ça peut expliquer ces pauses qui parfois, par exemple la pause pour Redline, ça pourrait être parmi un regret, même si, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment de regret, mais celle-là pourrait en faire partie. Ok, donc on va faire un peu un bond en avant, parce que du coup ça t'a fait une belle pause, donc du coup ouais, tu rejoins vite fait Cypher, vite fait Syndrome OC que tu quittes au bout de quelques jours pour rejoindre 3D Max qui venait de kick Flexor. 3D Max c'était un peu l'équipe adorée de tout le monde qui venait de battre les grands Very Game en finale de la Maxan. Ils t'appellent pour la CPH Game 2011 du coup. Et à l'époque évidemment Flexor qui était un peu le chouchou aussi se fait kick, enfin part. Toi tu rejoins les gens que tu connaissent pas forcément. Te connaissent mais ils ont encore en tête peut-être l'épopée Redline, ils n'ont pas forcément en tête tout ton parcours derrière.
Et tu te fais largement critiquer, il y a, je sais pas, il y a genre 300 commentaires sur la news vacarme. Donc tu rejoins 3D Max dans cette ambiance un peu tendue sur la communauté. On va dire que tu es attendu largement à la CPH. D'ailleurs, tu vas faire une bonne année. Et ce qui est intéressant surtout à la CPH, c'est que toi qui étais si discret un peu dans les médias, je sais pas, je t'ai jamais vu poster un commentaire sur vacarme, les interviews c'était très rare, toi t'étais vraiment quelqu'un de très discret, jamais trop mis en avant. Et là, dans une interview, ben, ça y est, tu t'es un peu lâché. Est-ce que déjà, si tu peux revenir un peu sur justement cet aspect de ta personnalité un peu. On sait que tu es toujours très calme et surtout très, très discret. Bon, un peu moins maintenant du coup avec les réseaux sociaux et tout. C'est vrai qu'à l'époque, moi, il n'y avait pas Twitter, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs que tu as toujours voulu, rester discret, ou c'est quelque chose que tu t'es imposé, ou c'était vraiment comme ça, tu t'en fous de commenter? Alors que des mecs comme Existence, les gens ne savent peut-être pas, mais entre 2006 et 2010, c'était le plus gros lama sur vacarme, quoi. Genre, il postait toutes les deux secondes, avec ARL, ça t'envoyait des pics tout le temps, quoi. C'est vrai que t'es resté toujours très dans le tête de ça, quoi. J'ai jamais eu ce besoin de m'exprimer en public pour faire passer des idées ou des opinions. Déjà, l'arrivée à la place de Flexor, c'est vrai que moi, en étant honnête, j'ai absolument pas compris la réaction, parce que c'était... 3D Max venait de battre Verigame, certes, et voilà, mais enfin, Verigame, tout au long de Verigame, ça a toujours été quasiment tout le temps les top 1. Et là, tollé général, à l'époque, je lisais quand même certains commentaires, etc., avec des gens que je vois qui postent toujours aujourd'hui, je vous connais, je n'ai pas oublié, vous en faites pas. Et oui, tollé général, en mode je sais qui se noob presque, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Alors que je pense que les gens n'ont pas. Ne voient pas cet aspect derrière la scène où moi, je passais pareil, des fois des journées entières avec des ASP, des flexors sur des mumbles de pick-up, etc. Et enfin. La communauté, en tout cas à l'époque, qui est complètement différente d'aujourd'hui d'ailleurs, la communauté était active et enfin, ça se mélangeait un petit peu quand même, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Certes, je faisais des longues pauses, mais je gardais quand même un certain lien. Et enfin, en termes de niveau, je savais que peu importe les pauses, enfin, ça a toujours été quelque chose de, en tout cas pour moi, marquant. J'avais jamais vraiment besoin de DM. Ou de me remettre à niveau, quoi. C'était et là oui, bah tollé général. À l'époque, j'ai pas du tout cherché à savoir pourquoi, parce que c'est vrai que en étant honnête, c'était vraiment bon, les gens vont pas être contents, mais le cri de la foule enragée, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Alors moi c'est vrai que ces aspects là ne comptent pas pour former une bonne équipe. C'est pas comme ça qu'une équipe se forme, c'est pas comme ça qu'une équipe est victorieuse. Et voilà, et c'est là où j'ai commencé à vraiment comprendre qu'il y avait un gap, un trou énorme entre ce qui se passait réellement et la vision, la communauté, etc. Alors c'est là où moi j'ai pris un peu mes distances par rapport à tout ça, par rapport à Vacarme, etc. Quand j'ai vu ça, c'était vraiment pas cool, entre guillemets, c'est pas souhaitable pour quelqu'un, sachant que moi, comme tu l'as dit, j'ai toujours été très calme et j'ai jamais fait d'esclandre, j'ai jamais eu une réputation de je foutais pas la merde, etc. quoi. Et voilà. Et c'est vrai que ça m'a énervé de voir certains pseudo de commentaires sur Vacarme que j'avais déjà vu avant, et c'était cette mentalité un peu à la KRL, entre guillemets. En mode, je dis ce que je pense, ce que je pense, c'est forcément. Des trucs vraiment que je trouve un peu con, quoi. C'est pas parce que tu regardes des matchs que. T'es un peu techie, quoi. Mais ça peut paraître méchant, mais former une équipe, c'est quand même un certain travail. Et ça demande un investissement et tellement de choses que ces gens, en commentant, ils prouvent qu'ils ne connaissent pas. Et là, c'est pas moi qui suis énervé, c'est vraiment une explication claire, claire, simple et nette. Et oui, c'était vraiment ça la période. Après, concernant la LAN, moi je m'en cacherai pas, je trouve que j'avais été le meilleur joueur à cette LAN. C'est ça qui est... En tout cas, meilleur joueur dans l'équipe 3D Max. Ah, c'est clair. Et bon, après, ça m'a servi entre guillemets à rien. On fait un top 3, c'est quand même plutôt pas mal, surtout pour un retour, une équipe qui entre guillemets n'avait pas les bonnes bases, parce que il n'y avait plus d'AWAP.
Dan, enfin, Apex à l'époque, était quand même un jeune joueur. Il y avait des problèmes. Moi j'arrivais, donc entre guillemets, je connaissais pas, donc j'avais pas vraiment de soucis intra-équipe, j'entendais bien avec tout le monde. Mais c'est vrai que déjà je voyais qu'au sein même de l'équipe, il y avait des soucis assez importants, notamment entre Richard, Adil et Dan. Enfin, Scream et Apex. Et Shox. Et voilà, on fait un top 3. Moi, forcément, enfin, je suis content. Tu fais un top 3 en LAN inter quand t'as pas joué de LAN depuis autant de temps. C'est bien, c'est très bien, surtout pour le niveau que j'avais. Et malheureusement, bah, l'équipe folle parce que. Choc, ça va chez les Bon, il ne l'avouera jamais, mais nous, on pensait tous que déjà, je pense à la LAN, il avait déjà reçu son petit contrat, ou en tout cas, il y avait déjà des négociations. Donc voilà, enfin, c'était un peu la LAN one shot pour moi. Je le savais plutôt bien, même avant le mini bootcamp qu'on a eu, Shox, ASP et moi. Mais voilà, j'en tire une bonne expérience malgré tout de cette aventure. Donc après, c'est vrai que du coup après tu fais une longue, enfin plus ou moins une longue pause hein, de facile 6 mois où on te voit à la Pixel, notamment où tu fais t'accompagnes Kenny pour sa première LAN. Première victoire à Pixel 32 décembre 2011 du coup. D'ailleurs Kenny, on va en parler un peu, c'est vrai que c'est quelqu'un bah, que tu côtoyais sur, comme tu disais, les Mumble un peu comme ça, à l'époque c'était quoi, c'était After Work, des trucs comme ça. C'était The Wall. Ouais, ou The Wall, voilà. Kenny, ça fait combien de temps, à l'époque ça fait combien de temps que tu le connaissais? Est-ce que là, beaucoup le pensaient vraiment en mode cheater et qu'est-ce que tu pensais de lui à l'époque vraiment avant la Pixel 32 que tu as fait avec lui quoi? Alors, comme tu l'as dit, on va dire, il y avait ce tas de joueurs au sein du Mumble The Hold que j'avais créé. Prends les lauriers. Et il y avait ouais, ce pool de joueurs grands, enfin, il y avait d'autres joueurs que Kenny, j'ai Oui, pas ouais, clairement. forcément les nicknames, mais qui aujourd'hui bah, n'ont pas percé ou peu importe. Mais il s'est fait repérer assez rapidement, sachant qu'une époque, à cette époque, il y avait un projet d'équipe avec Malek et moi, bon, il avait été plus ou moins testé. Je me souviens à l'époque, on ne l'a pas pris parce qu'on le considérait vraiment beaucoup trop inexpérimenté il y avait un risque d'onliner, même si moi, sur ça, en tout cas, je l'ai toujours défendu. Je sentais qu'il y avait vraiment un talent qui allait peut-être percer dans le futur. Mais la PXL, c'est marrant parce que cette LAN-là, ça a été la seule LAN où, en fait, le moment de la LAN, je voulais vraiment arrêter définitivement CS. Ah ouais. Les planter, je me souviens, il y avait Dan, il y avait ASP, je crois, il y avait Kenny, il y avait bah, Jérôme en manager. Pour moi, je voulais arrêter tout arrêter définitivement et faire, bah, voilà, pas aller à la LAN Ouais. et dire un peu allez, ciao, fuck, Ouais. il y en a marre, quoi. Et finalement, je l'ai fait, on la gagne, sachant que Il y avait de bonnes équipes, en plus, c'est une il y avait bonne des équipes LAN. correctes, il y avait surtout le mix de Shox Ouais. et Eddie et Smith. Et on la gagne, et ça m'a un peu reboosté, sachant que j'avais pas été mauvais, pas été très bon non plus, mais j'avais pas été mauvais du tout à cette LAN. Et voilà. Donc juste pour finir avec Kenny, donc là tu disais ouais il y avait peut-être un projet d'équipe avant la Pixel. Et après cette Pixel, est-ce que sachant qu'il a été testé chez VG entre-temps, son test n'a pas réussi pour les mêmes raisons que tu évoquais. Est-ce que après cette Pixel, ton avis a changé sur lui? Est-ce que bah, par exemple c'était quelque chose que tu voulais encore peut-être envisager de monter une équipe avec lui? Est-ce que c'était vraiment un joueur, un profil vraiment très intéressant tu pensais? Et d'ailleurs, enfin je pense que tu étais au courant évidemment quand il se faisait test chez VG. Est-ce que tu pensais que ça pouvait marcher ou c'était vraiment tendu à l'époque? Bon, c'était assez évident qu'il n'allait pas être retenu Ouais. chez VG, mais bon, la PXL, il a fail, hein, c'était son premier event. Enfin, de mémoire, il n'était pas bon, quoi. Mais non, j'ai pas changé de mentalité, je savais que. Enfin, il était vraiment très jeune, quoi, et ça se voyait presque sur son visage voilà, quoi. C'était le petit poussé, il arrivait. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais non, j'ai pas changé d'avis et puis enfin, à l'époque il était quand même. À l'époque, il était sympa et très, très abordable, très, très mignon entre guillemets quoi. Et voilà, non, j'ai pas du tout changé d'avis sur lui, on a continué à jouer en mode fun, etc.
Donc on va. Bah, tu, donc du coup après tu vas faire une pause quand même, non, après la Pixel, tu reviendras, tu créeras une team la dernière un peu sur CSS avec Redline. Bon, ça n'a pas vraiment marché, vous gagnez une XN, vous faites pas d'AGA, vous faites pas CPH, bon c'est pas. C'est pas. C'est, ça reste finalement assez anecdotique. Mais au final, ce qui est intéressant avec toi, c'est la transition vers CSGO. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu sais, il y avait des Go for CSGO tous les week-ends. C'était vraiment le début. On était en mode, ouais, on va vraiment les joueurs tester le jeu. Et là, j'ai regardé un peu, mais c'est vrai qu'en fait, j'étais là tous les week-ends à faire la Go for CSGO. Ben, à l'époque, c'était sous le tag 8 server, plus ou moins. Donc à l'époque, il y avait Malek. Enfin, tu testais. Ben, d'ailleurs, t'as même joué avec Kali et Aria à l'époque, je me rappelle. T'avais fait une première. Juste une Go for CSGO, donc c'est des trucs du dimanche. Hein. Mais est-ce que CSGO, c'est un jeu que t'as apprécié de suite, et est-ce que, comme je t'ai vu cramer on va dire plus ou moins la bêta là-dessus, est-ce que c'est que tu t'es dit il y a peut-être un projet vraiment à faire sur le jeu, ou c'était plus en mode vas-y on teste? Alors pour Quality Server, moi je savais que, enfin on avait compris CSGO, moi j'avais eu ma bêta clé, d'ailleurs je pense à la PXL, je pense qu'il y avait déjà des bêta clés qui tournaient. Ayant très rapidement joué, parce que ça m'intéressait pas trop, j'étais pas. Enfin, peu importe quoi. Le jeu était vraiment mauvais, c'était vraiment une horreur à jouer, c'était insupportable. Mais bref, pour Quality Server, pour finir là-dessus, je savais qu'il fallait avoir une équipe de transition et je voulais pas arriver sur CSGO, entre guillemets, sans avoir d'équipe, sans avoir une certaine base de joueurs, ne serait-ce qu'un joueur avec moi. Donc c'est pour ça que je continuais à jouer, ne serait-ce que pour être... Bonjour, je suis encore là. Et au final, on a transitionné sur CSGO, on faisait les go-forts, etc. Et attends, de mémoire. Ouais, alors le jeu était vraiment. Enfin. C'était pas CS quoi, c'était vraiment pas bien quoi. Le jeu était buggé, les recoils étaient complètement différents, etc. Donc bref, on attendait la grosse mise à jour, enfin les grosses mises à jour qui pouvaient rendre le jeu ne serait-ce qu'un peu compétitif. Et de mémoire, je sais plus qui est venu me PV. Il y a des chances que ce soit Dan, ouais. Pour me dire, j'ai Mani dans ma poche, viens, on fait une équipe, etc. Et finalement, on a monté un projet et on a atterri chez Extensive. Alors, avant de vraiment partir là-dessus, c'est quoi ce changement de pseudo Mstad Happy? Donc, tu as terminé ta carrière source et un espèce de renouveau sur CSGO avec ce pseudo. Donc, d'où ça vient et pourquoi changer, tout simplement? C'est vrai que pour la petite histoire, mon premier pseudo Mstad, les gens savent pas comment j'ai choisi, donc je le dis maintenant. C'était vraiment à l'époque, il me fallait un pseudo. Il fallait dans la case des options, il fallait un pseudo. Je n'allais pas mettre Vincent, parce que c'est quand même bizarre quoi. Et je voulais pas non plus quelque chose, vraiment les pseudos charmables, ça me répugnait. Et donc j'ai ouvert un doc text. Et je me souviens, j'avais déjà vu certains pseudos de joueurs, pas forcément sur CS d'ailleurs, et qui mettaient le Q à la place du A. Ouais. Et je me suis dit, peu importe mon pseudo, mais je veux ça dedans. Et du coup, j'ai tapé des pseudos random, j'en ai tapé 10, et j'ai fait, celui-là, il y a un Q dedans, et je vais le prendre. Et pour le changement à Happy, il n'y a pas vraiment de raison, quoi. C'est juste que Mstad, ça voulait vraiment rien dire du coup, vraiment du tout. Et donc j'ai changé et Happy ça vient d'où du coup? Et Happy ça vient de nulle part. C'est juste que j'aimais bien le style, j'aimais bien l'écriture du mot Happy. Okay. Les lettres me plaisaient bien. Okay. Si con que ça puisse paraître.